Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant 1 heure et demie, et je suis accompagné aujourd'hui de Bruno Beuret. Bonjour Bruno. Salut, salut tout le monde. Bienvenue à toi, bienvenue à tous les gens qui nous suivent sur la chaîne YouTube Adobe France ou sur behance.net/live/fr. Bienvenue à ceux qui sont déjà venus dans la semaine. On a fait quelques sessions depuis le début de la semaine. Pauline a entamé les premières sessions elle a entamé les premières sessions lundi avec Louisa Lafitte. Je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient avec nous pour la session avec Louisa. Ensuite, on a reçu, Pauline toujours a reçu Julien Rico le mardi à 14h. Mercredi, c'était mon tour pour recevoir l'ami Atomic, Mike Studio, qui était avec nous, Mike Stefanini, pour nous présenter tout son process d'illustration. Et enfin, mercredi à 14h, on avait Kyle Webster avec nous. Et Kyle nous a fait un petit tour de, comme il sait le faire, de l'utilisation des plus beaux pinceaux Photoshop, les siens, les derniers qu'il a réalisés, qu'il a mis en œuvre. Et aujourd'hui, donc, je suis avec Bruno pour une session autour de la photo surréaliste. Pardon, je me rends compte que j'ai laissé ta tête, mais j'ai plus remis le titre et du coup je l'ai plus en tête, c'est pas malin. Et demain, je terminerai la semaine sur Caractère Animator et on va créer notre propre marionnette. Donc ça va être les petites choses qu'on va faire ensemble. Et ces petites choses qu'on va faire ensemble, bah, du coup, on va pouvoir tranquillement avancer, tranquillement se raconter tout ça. Et je vais commencer avec toi, Bruno, par une première petite question, tu vas me dire en quelques mots comment tu te présentes. Dis-moi en quelques mots, quelques lignes. Alors, moi, c'est Bruno. Je viens de Suisse. J'habite actuellement en France. Je fais de la photographie surréaliste, donc un montage photo un peu plus élaboré, on va dire, plus photographique. J'ai commencé sur Photoshop en 97, 1997, enfin 97. 90, ouais, je sais, 97, elle est pas pardon. facile, hein. Ouais, C'est pour j'ai. ça qu'on a très très peu de Suisses sur les lives. D'accord, hein, Non, on en a 97. plein. Ouais, Donc ok. j'avais 17 ans environ quand j'ai commencé à bidouiller sur Photoshop. Et puis plus tard, en 2009, j'ai appris à faire de la photo plus traditionnelle. J'ai fait beaucoup de photos animalières, nature, et après, ben, plus studio, mariage, etc. Et en parallèle, j'ai toujours travaillé sur Photoshop. Du coup, c'est tout naturel que j'arrive à la photo surréaliste. Très bien, Voilà. très très bien. Et moi j'en profite du coup pour dire bonjour à tous les gens qui sont avec nous dans le chat. Je vois passer Jamila, Niki, Delphine, Franck, Camille, Tony, Tiquenio, Pierre, Émilie. Bienvenue à tous, bienvenue aux habitués, bienvenue aux nouveaux. Pour les nouveaux qui sont peut-être pas encore arrivés sur le chat ou qui n'ont pas vu qu'on avait un chat et qui savent pas pourquoi je parle toujours de ça, vous pouvez nous rejoindre du côté Behance. Je vais vous faire passer un petit lien parce que c'est plutôt là-bas qu'on échange, c'est plutôt là-bas qu'on a l'habitude de parler à tout le monde. Donc ce sera sur behance.net/live/fr. Mais laissez-moi 2 secondes et je vais vous mettre un petit lien. Et ensuite, j'avais une question pour toi, Bruno. Tu vas pouvoir nous guider, nous aider, voire le faire à ma place. C'est que tu vas pouvoir nous présenter peut-être ton travail via ton portfolio, via des éléments sur ton dans le disque dur. Donc, je te laisse ouvrir la bonne page de ton navigateur. Attends, Voilà. je vais faire une petite mise à l'échelle ici. Ce sera très joli. Sinon, c'est un peu petit parce que chaque invité a une taille d'écran différente. Sinon, ce serait pas drôle. Et Et on on passe passe chez chez toi. toi. Donc Donc on on est est sur sur ton ton portfolio, portfolio, on on est est sur sur ce ce site. site. Et Et est-ce alors, que tu peux tu du peux coup en nous nous présenter présenter un un peu peu ton ton travail travail pour pour qu'on qu'on comprenne comprenne qui qui tu tu es, es, d'où d'où tu tu viens, viens, parce parce que que tu tu nous nous as as dit dit 1997, 1997, ta ta plus plus ancienne ancienne photo, photo, elle elle est est pas pas de de 97. 97, si, si. Non, elle est 2018, en fait. Comme je l'ai dit avant, j'ai fait beaucoup de photos animalières en parallèle de ce genre d'images. Et apprendre, j'ai beaucoup appris à regarder la nature, tout ça. Ça m'a sensibilisé. Puis je me suis dit, vers 2017, je me suis dit, j'ai vraiment envie de me lancer dans cette photo surréaliste. Parce que ce qu'il faut que les gens sachent aussi, c'est que
J'ai découvert en 2009 un artiste qui m'a complètement bluffé et puis qui m'a vraiment pris. Et je me suis dit, c'est vraiment ça que j'ai envie d'arriver à faire. Et c'est Eric Johansson. Alors attends deux Alors, secondes, deux secondes, deux attends, secondes. Ouais. On dit que j'ai un double son dans le micro. Et qu'est-ce que j'ai raté? Attendez, c'est la reprise, c'est la rentrée. Normalement, on y arrive, mais il se peut qu'en changeant de caméra, j'ai rajouté du son alors qu'il qu'il n'y a a pas pas de raison. Raison. Bougez Bougez pas. pas. Tac, tiens. J'ai bien une entrée. Là, je vais mettre les pistes. Hop, ah bah oui, normal. C'est tout à fait normal qu'il y ait du son en double. Normalement, là, ça doit aller beaucoup mieux. Voilà. Et il y avait un crachotement en bruit de fond. Normalement, il n'y a ni le crachotement en D'accord. bruit de fond, ni le fond. Ce que vous aviez, c'était le son de la caméra qui est là devant. Et c'est pas du tout prévu pour. C'est Ah plein ouais. de styles, ce double son, me dit Tony, qui doit être un habitué des fêtes foraines, des manèges et des. Hein, Ah voilà. ouais, ça fait un peu vieille guinguette, ouais, c'est C'est pas ça, mal. c'est ça. C'était sans doute pas ça qu'on essayait de vous donner. C'est mieux? Ouais. Delphine nous dit que c'est top. Je suppose que ça doit être ça. Et Tiquenio est prêt à danser le Mia. On est parti en Suisse. On n'est plus du tout à Marseille. Ça y est. Génial. Voilà. J'ai juste identifié la piste qui avait encore de la voix alors qu'il n'y avait pas de raison. Attendez, je vais juste vérifier un truc parce que je risque de le faire une paire de fois pendant le live. Ah, ça, c'est bon. Celle-ci, ça va. Non, non, il y avait vraiment. J'étais puni. J'avais une caméra encore présente avec de l'audio alors qu'il ne fallait pas. Donc tout va bien. Tout va bien. Revenons à nos moutons. Désolé pour Voilà, la petite pas de interruption souci, technique. Les c'est gens du normal. direct. La technique, ouais, exactement. Alors, je disais, j'ai fait beaucoup de photos animalières avant, Ouais. nature, etc. En parallèle, je faisais ce genre d'images, beaucoup moins précis que ce que je fais maintenant. Et ce que je voulais dire à tout le monde, c'est que en 2009, j'ai découvert un artiste qui s'appelle Eric Johansson, qui m'a complètement bluffé et j'ai vraiment dit, c'est ce genre d'image que je veux réussir à faire. Et du coup, c'était vraiment mon style de pensée, ma philosophie de l'image, en fait, que j'ai appris plus tard que c'était du surréalisme. Et je me suis après intéressé à l'art du surréalisme. D'accord. Parce que t'en avais pas connaissance avant ou t'étais Je connaissais un petit peu, mais ouais, Dali, les choses comme ça. Après, je suis allé plus profondément dans le mouvement. Et je me suis dit, c'est vraiment mon caractère, c'est vraiment moi. Et du coup, ben, 2017, par là autour, ouais, peut-être fin 2016, je marche, comme je marchais beaucoup, je marche en nature, en hauteur, et j'arrive. Je sais pas si tu vois bien l'écran, Ouais, ouais. on est bien sur ton écran. J'arrive en fait en haut d'une vue et puis je vois cette image en tête. C'est clair, je vois un petit îlot de nature avec toute cette ville autour, on va dire qui pollue un peu. Et je me suis dit, waouh, ça c'est une image. C'est une image que j'ai envie de créer pour sensibiliser les gens, pour montrer ma vision du monde. Et depuis ce jour-là, j'ai tout fait pour réussir à faire cette image. Alors, il m'a fallu 8 mois pour la faire. Ok. Parce que, encore une fois, ben voilà, c'est toutes mes photographies. Hein. Le petit sapin ici, les arbres qui ont été pris dans le canton de Neuchâtel au creux du vent. La ville, c'est la ville de Bâle, Bâleville. Les roches, pareil, c'est au creux du vent, au canton de Neuchâtel. Et du coup, je me suis dit, ben, il faut que je réussisse à fabriquer ça au plus réel possible, pour que les gens vraiment s'identifient et se plongent dedans. La chaîne, par exemple, je l'ai photographiée dans mon studio, on va dire. C'est plus chez moi, mais je me suis monté un petit studio. Et puis voilà, ma toute première image surréaliste, vraiment, comment on va dire, est partie, quoi. Enfin, ça a démarré mon style, quoi.
Ça a lancé la série. Voilà, c'est ça. Ouais, je t'ai pas demandé, mais t'as jamais, enfin, t'as pas gardé les publications de ce que tu faisais en photo animalière. Ça, c'est pas des trucs que tu gardes public, quoi. C'était ton toi d'avant. Oui, ça, c'était vraiment mon moi d'avant. J'avais un Facebook comme tout le monde, un Instagram comme maintenant, mais que animalier, donc renard, chevreuil, oiseau, etc. Toujours un côté très créatif, hein, très artistique, à me casser vraiment la tête, à me dire, je veux pas juste un renard dans un champ, je veux vraiment travailler la lumière, etc. Beaucoup de travail aussi. Mais ce qui m'attire aussi dans ce style d'image de maintenant, c'est que quand on déclenche l'appareil photo, quand on fait de la photo traditionnelle comme de la photo animalière, une fois qu'on a déclenché, le procédé, il est quasiment presque terminé. Il n'y a plus qu'une petite retouche sur l'ordi et un tirage si on veut exposer. Ouais, une Alors retouche que... de l'ordre de la couleur, de la lumière, peut-être un Ouais, petit peu de exactement. cadrage, quoi. C'est Ouais, un petit peu de cadrage et puis vraiment limité parce que je faisais de la nature. J'essayais de vraiment restituer ce qui existe, contrairement à là. Et là, en fait, ce qui me plaît beaucoup, depuis toujours même, c'est quand on déclenche, c'est un peu là que le processus commence. Donc, on a tout le côté planification, hein, que je vais un peu expliquer plus tard. Mais quand on fait les prises de vue, voilà, on a déjà quand même commencé le projet. Et après, il y a tout le reste derrière, du montage, du post-production. Et puis, on va se casser la tête. Et puis, peut-être qu'il faut se remettre un élément dans le cadre. Alors, peut-être qu'on refait vite deux, trois plans. Tout ça, bien sûr, le plus planifié possible pour pas laisser doute au hasard. J'essaie toujours que ce soit super super carré. C'est pas facile des fois, mais Ouais, parce que t'es obligé du coup de vraiment de complètement planifier tes prises de vue. Ça, je pense que c'est un truc qu'on regardera tout à l'heure. C'est pas la photo où tu tombes sur le renard. Là, t'es obligé d'avoir d'anticiper, quoi. Ouais, en fait, je photographie plus mes idées que vraiment un instant, en fait. Je pars sur un croquis, et puis une fois que le croquis est bien dessiné, je peux passer plusieurs jours à le redessiner pour qu'il soit pertinent. Parce que juste avoir une composition un peu surréaliste, tu te dis, ouais, bon, d'accord, mais il y a la composition, il y a, est-ce que ça va toucher les gens, la lumière, où c'est que je vais la mettre, etc. Et, il y a toute cette réflexion, et ensuite, on passe... Ben, au regroupement du matériel, recherche des lieux, etc. D'accord, je suis en train de penser que je vais peut-être mettre en arrière-plan pendant qu'on parle de ça. Ouais. Une des deux vidéos que j'ai, Ouais. peut-être le moving ou plutôt la lune? Plutôt la lune, peut-être pour Ouais, la le. lune est plus détaillée vu que c'est une de mes dernières vidéos. En fait, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que j'ai toujours aimé la vidéo. Et c'est pour ça que je crée mes petites vidéos. Alors je fais c'est Hop. Moi, je lance la vidéo en même temps que toi, et puis comme ouais ça on peut parler dessus, et ça nous mettra des images en plus. t'as déjà lancé? Ouais, c'est sûr, en même temps que toi. Ok, J'ai un peu d'avance sur toi. d'accord, t'es à peu près À toi devant ton caillou. d'accord. T'es bon. En fait c'est la lune ça. Et là, ben voilà, je fais le croquis, là, si on a les mêmes images. En fait, là, je définis mon idée, sur papier. Donc, je peux faire plusieurs croquis si ça ne me plaît pas. Là, ben voilà, je fais la recherche des lieux qui peut me prendre énormément de temps. Des fois, je reviens même 3, 4, 5 fois. C'est le problème quand on est un peu, pinailleur. On veut rien laisser au hasard, puis vraiment faire comme c'est dans ma pensée. Là, voilà, c'est le matériel que j'ai commandé pour l'image. Là, ben, on arrive sur place et puis ben, j'ai tout mon matériel. Alors là, Donc c'est t'as tout l'ordinateur. dans le coffre de la voiture. Ouais, de la voiture à ma sœur. Ce jour-là, tu es obligé de bien anticiper tes déplacements, parce que si, comme tu disais, tu peux aller très loin pour une prise de vue, et du coup, tu es obligé, ouais, de pas te planter sur ce que t'amènes avec toi. Déjà, ouais, bah, justement, une petite anecdote sur ce shooting. Bah, là, c'est ma sœur Attends qui deux secondes. est très souvent assistante. On peut mettre pause si tu veux. Ouais, on va faire une demi-pause ici et je vais te rattraper.
J'ai eu un ratage sur. Tac, tac, tac. Hop, je vais revenir sur ta sœur. Ce sera bien. Ouais, ok. Hop, où es-tu, jeune fille? Voilà. Ok, je relance à partir de ta sœur. S'il le veut bien. Non, il veut pas. Est-ce que je peux relancer de là? T'as relancé en fait? Ouais, Ouais, c'est bon. ok. On est reparti. Désolé, j'ai un. Pas de souci. Mais en fait, quand, là, j'avais oublié juste un petit câble pour aller à l'appareil photo. Et j'étais tellement frustré. Et là, c'est mon ami, comme je disais, c'est lui qui me filme beaucoup et moi, je fais le montage. Et du coup, j'avais oublié ce câble. Et puis, on a quand même fait des prises de vue un peu pour faire un pré-montage, parce que ça m'arrive souvent de faire un pré-montage. Et du coup, j'avais dit à l'équipe, bon, bah, excusez-moi, mais il faudra qu'on revienne. Et on est revenu et on a refait 3 heures de shooting. D'accord. Alors, Ouais, donc ils étaient bien motivés quand même, et ils étaient bien, ils te suivent, quoi. je les remercie beaucoup parce qu'ils ont eu une grande patience avec moi. Ça, c'est cool. Et du coup, la deuxième, elle était belle. Et puis en plus, on n'avait pas eu d'orage à la deuxième. Et Alors j'ai pu que avoir. sur la première, si t'avais des Ouais, j'ai eu un orage juste avant, c'était pas terrible. Et puis du coup, c'était pas du... les éléments n'étaient pas là, quoi. Et du coup, là, ce qu'on voit à l'écran, c'est le deuxième shooting où cette fois tout était nickel. J'ai pu faire tous les plans de vue, j'ai fait 280 photos. 280 photos pour une Ouais. image. Ah ouais, ça commence à faire un paquet Ouais. d'images. J'aime bien faire beaucoup d'images pour être sûr de pouvoir repiquer si jamais. Là, on me voit avec un flash pour avoir exactement les lumières comme je pensais. Là, je vais simuler en fait la diffusion de la lumière de la lune avec mon flash en faisant plusieurs photos séparées que je vais imbriquer. Là, c'est mon modèle Julien et là qui tient justement une corde. Parce que le but de mes images, c'est toujours de prendre le réel pour imbriquer ce qui a été réel. Donc, je refais pas les choses sur Photoshop. Très peu la lumière. J'aime bien toujours avoir une vraie lumière. Et puis avoir une lumière qui reste cohérente entre Ouais. ta prise de vue et ce que t'avais en tête sur ton croquis. Voilà. Comme là, ben, j'étais en train de photographier un sapin pour que puis après, j'avais anticipé que les sapins du fond allaient refléter la lune. Donc, du coup, j'avais déjà anticipé ça. Et du Et coup, puis ça, voilà, c'est ce moment où tu retournes en studio. Enfin, parce que là, Ouais, là, ouais. t'es pas toujours en extérieur. Non, non, c'est même des fois, très souvent en intérieur. Et ben là, je suis avec mon objectif macro, hein, 105 macro. Et je prends justement la lune que j'ai achetée, qu'elle fait main. Une lune qui représente vraiment la lune au, je sais plus combien, 50 millionième, je crois. Et comme ça, j'avais une réelle lune à D'accord. photographier. Et après, c'est la partie post-prod. Et Voilà, c'est post-prod, ça. pour toi, il y a deux trucs, c'est Lightroom et Photoshop. C'est ça. Lightroom, je trie. Je mets des collections, je fais mes collections en parallèle de tout ce qu'il me faut. Et je passe d'un à l'autre pour être toujours nickel à pas me perdre dans ces, des fois, 700-800 photos. Ouais, ça fait un paquet quand même. Ouais, alors du coup, je trie bien tout. C'est le premier travail. Et puis après, une fois que tout est trié, je regarde celle que je trouve le mieux. J'ai déjà des petites idées parce que pendant le shooting, je commence à me dire, ah ouais, celle-là pourrait être vraiment bien pour ça. Et puis celle-là, c'est exactement ce que je veux. Et puis des fois, tu en fais plusieurs. Tu te dis, bon, on verra bien. Et souvent, je leur pique un truc dedans. Ouais. Alors, tout ça, je trie. Et là, après, je monte au fur et à mesure. Et là, c'est un peu, j'y vais un peu spontané, on va dire. Parce que tout à l'heure, tu me disais que tu avais quand tu étais sur place, alors pas sur la première session, mais la deuxième, tu avais un petit câble avec l'ordi, avec le Ouais, boîtier, etc., et que ouais. tu faisais du pré-montage, pas sauvage, mais pas loin, quoi. Tu faisais Ouais, ton voilà. pré-montage directement sur le Je lieu de prise de vue. peux, si tu veux, je peux passer dans la trompe pour te montrer. Ah, bah carrément, ouais. Ouais. Attends, je vais nous préparer la petite scène qui va bien. Tu me dis Alors, quand t'es prêt sur Lightroom. je me mets. Vas-y.
Ouais, c'est que j'ai deux écrans, il faut que je m'habitue. Voilà, je suis Bien, prêt. bienvenue, nous on n'a qu'un seul de tes écrans. Pendant ce temps-là, il y a Pas de Tiquenio souci. qui nous disait, tiens, ouais, ça me fait penser à la session qu'on avait eue avec Zach Easy, qui faisait aussi des photomontages réalistes, et qui lui, pour le coup, était très banque d'images au moment où on s'était vu, Zach. Et Jamila nous dit comme moi, avant-hier, tournage dans la forêt. Et Pierre Munier nous dit, j'ai vu passer la spirale du nombre d'or en image subliminale. Ça, c'est quoi ça? C'est les outils de recadrage de Lightroom, non? Je l'utilise la courbe de Fibonacci pour composer, mais des fois je fais des calculs pour exactement poser le personnage dans le nombre d'or pour qu'il y ait vraiment un impact. Et souvent, j'ai remarqué, quand je montre l'image, souvent les gens sont waouh! Et puis souvent, c'est celle où j'ai vraiment travaillé le nombre d'or. C'est marrant, hein? C'est vraiment c'est assez fou. Alors, par exemple, ben voilà, j'ai fait un prémontage vite fait à mon premier shooting. Du coup, ben, ça m'a servi quand même à un peu me repérer. Ouais, Donc, à c'est repérer. important de faire une répétition sur ça et d'un. Ouais, parce que, bon, déjà, je suis assez perfectionniste. Alors, je peux des fois passer tellement d'heures sur des détails. Et puis, j'essaie de banaliser ça en fait pour que ça aille plus vite. Par exemple, l'arrière-plan, là, je me rendais compte que c'était pas du tout ce que je voulais. Et du coup, j'ai pu anticiper à la deuxième fois pour prendre vraiment que les photos d'horizon pour travailler mon horizon, comme on peut voir ici. Donc, pareil, les sapins ici, je les ai rajoutés, mais on peut passer dans Photoshop s'il y en a qui veulent voir. Ah bah Je sais carrément, pas. carrément, Ouais. cher public, est-ce que vous avez envie de passer dans Photoshop ou est-ce qu'on reste dans Lightroom? Alors, il faut savoir que j'ai laissé en arrière-plan la vidéo qui tournait tout à l'heure, et je viens de m'en rendre compte 2 minutes plus tard, mais c'est pas grave, on avance. Elle est dure cette reprise, hein. C'est pas facile 2022, je Ah suis ouais, pas prêt. c'est début de l'année, quoi. Ah ouais, non, mais j'ai l'impression d'être encore en 2019, moi, tu À ce point-là, sais. Non, non, j'aurais vas-y. pas beaucoup avancé en 2019. Ah, c'est clair. Alors, bah, je vais le lancer. Alors, le truc qu'il faut savoir, c'est des grandes images qui sont toujours conçues pour des très grands formats, parce que mon but, c'est vraiment de donner vie à mes images. C'est pas juste les arts sur les réseaux sociaux. C'est imprimer des très grands formats, donc jusqu'à 1,70 m, 1,80 m, Ah voire ouais, quand même, plus. parce que Ouais. tout à l'heure, moi j'ai eu un aperçu de tes disques durs. Le fichier faisait 90 gigas, c'est ça, hein? Ouais, Ouais. pour certains, ouais. C'est du bien grand format quand même. Ouais, bah là, alors la Lune, je crois que c'est 9 000 par 6 000 et quelques. Mais la dernière que j'ai fait, elle a presque 11 000 par 8 000. D'accord, ouais. Donc, je peux tirer en 1,70 m à 160 dpi, quoi. Donc, Ouais, donc ceux qui c'est connaissent hyper bien la propre, quoi. photo, ouais, 160 dpi, ça veut dire que si je la regarde à même pas 1 mètre de distance, en fait, je vois pas de pixels, quoi. non, même tout près. Et c'est vraiment mon but, hein, c'est de voir jusqu'où je vais dans le détail. Et parce que voilà, sur un smartphone, sur un écran, on ne se rend jamais trop compte jusqu'où je vais. Et puis, alors, des fois, c'est à peine lent, vu que j'ai beaucoup de choses d'ouvert. Ouais, et puis en plus zoom est pas sympathique là-dessus. Ouais, donc là, c'est pour ça que je ne voulais pas ouvrir Population Stacking, parce que j'ai 687 calques. Donc, alors, ben. Je montre déjà assez proche. Voilà, ça va, elle a dû charger l'image. Donc, je fais vraiment les détails, de la fumée jusqu'au petit nœud, avec toujours la lumière de la corde qui est cohérente, parce que j'ai acheté une lune lampe et je l'ai entourée de cordes, comme on a pu voir sur la vidéo. Là, pareil, j'ai. Et du coup, tout le but, c'était de réussir à faire cette transition entre une vraie corde épaisse et une petite cordelette à l'échelle. Voilà, alors j'ai créé un nœud et j'ai recréé un autre petit nœud pour que ce soit cohérent, un peu comme dans The Moving. Là, on voit la corde que Julien tient. Et puis voilà, là, c'est
tout ce que j'ai pris au flash. Et puis ça, c'est la lune en fait que j'ai pris en macro, que j'ai fait un focusing stacking pour avoir une grande profondeur de champ. D'accord. Donc j'ai une douzaine de photos empilées avec plusieurs focales différentes pour avoir toujours cette profondeur de champ. Donc que le premier plan soit toujours bien net, quoi. Et le but aussi, c'est vraiment de respecter en se disant, voilà, c'est comme si j'avais photographié mon rêve. Donc, ça doit rester comme une photo. Alors, du coup, il y a un léger flou d'arrière-plan dû à l'objectif. Parce qu'on le prend à F11, F10 et pas plus. Donc, j'avais envie de faire cet effet un peu légèrement flouté au fond. D'accord. Donc, toujours avoir les petites contraintes techniques de la photo simulées dans mes images pour vraiment ça donne réel, quoi. Alors après, ben, je vais mettre là. On voit les calques là, ça va? Ouais, on y est. Alors je vais tout ouvrir. Ah, il y a un paquet de calques. Hein. Et alors je vois que tu es très studieux et que tes calques sont bien organisés. Ouais, je suis obligé. Parce que. Alors celui-là, il en a pas beaucoup, il en a 158, je crois. Mmh. Il suffit de te créer un nouveau calque pour savoir combien t'en as. Ah ouais, c'est juste. Mais ouais, tu sais qu'on prend ou alors je peux aller là, tac. Alors 111, mais il y a tous les calques qui sont dans les objets dynamiques que je compte aussi, parce que c'est quand même des calques. Mmh. Et puis bah, je pense que je suis plus à 160 que 112, comme c'était marqué. Alors... je peux reprendre depuis là. Donc, je commence ici. Bah, c'est un ciel que j'ai pris une nuit. Parce qu'en fait, j'ai aussi des archives de photos que je me dis, bon, bah, là, je vais mettre de côté pour si jamais il y a un projet, j'aurais besoin d'un ciel, typiquement là. Mm-hmm. Donc, ça, c'est une photo qui date. Pour ne pas avoir à refabriquer à chaque fois. Quoi. La photo de ciel, finalement, elle est moins. Elle est hyper pertinente, importante, mais elle est moins spécifique à un tournage en particulier. Ouais, parce qu'un ciel, voilà, si on a le soleil sur la gauche, et puis qu'on a pris notre lumière de la photo partout sur la gauche, je pourrais jouer avec cette image-là, par exemple. Mais, par exemple, là, ça, c'est assez universel, quoi. On a nos étoiles. Mmh. Donc, j'ai repiqué, elle devait avoir de 2018, je pense, par là, 2019. Est-ce que tu as attrapé les étoiles avant que Elon Musk envoie des satellites foirer toutes les photos nocturnes? Ouais, c'était bien avant. Ouais, c'est juste en plus. Ça va venir difficile de faire de l'astro maintenant. Ça va être complexe. Ouais. Alors ben là, ben, je travaille la colorimétrie. Là, je rajoute mes nuages. Mmh. Je travaille la colorimétrie de mes nuages. Alors, faut dire que j'aime bien les tons bleu-vert. J'aime beaucoup ça. Et j'aime bien jouer avec les couleurs complémentaires. Alors, là, ben, première image de base. Alors, je pars. On me voit là avec le flash. Donc, voilà le genre d'image que ça représente. Même qu'il ne faisait pas à 100% nuit, j'arrive à jouer avec la vitesse d'obturation. J'arrive à jouer... sur le côté sombre. Mmh. Là, je retravaille un peu l'éclaircie. Et puis là, j'imbrique au fur et à mesure les images que j'ai prises. Voilà. Et alors, à chaque fois, on voit que sur chaque morceau d'image, sur chaque calque que tu rajoutes, tu as forcément un masque dessus. On voit qu'il y a plein d'objets dynamiques dedans. Tu plantes quoi dans tes objets dynamiques? Encore des intégrations en plus. Alors ici, je l'avais, c'est ceux-là, comme je les ai pas mal déformés, je les ai fait en objet dynamique. Mais dans beaucoup d'autres, ouais, j'ai beaucoup de calques qu'on pourra voir plus loin. Mais c'est encore pas celui-là où j'ai le plus d'objets dynamiques remplis. Oui. Par exemple, Population Stacking, qui est sur la photo de publicité. J'ai énormément d'objets dynamiques, dans d'objets dynamiques, des fois quand on a des centaines de calques à l'intérieur. C'est pour ça que j'arrive à avoir
environ 700 calques C'est ça, pour mon image. Pour une seule image. Après, tiens, je vais faire mon petit sondage au public, hein. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous utilisez les objets dynamiques qui sont globalement des fichiers Photoshop dans des fichiers Photoshop et qui ont toujours, malgré tout, et ça c'est un des gros intérêts, ils ont toujours une preview, une prévisualisation de l'image principale, ce qui fait que vous voyez votre image, vous voyez pas forcément les calques et du coup c'est plus facile et c'est plus léger après à transformer. Quand toi, tu fais tes manipulations, qui sont parfois extrêmes en termes de déformation. Exactement. Bah, comme la Lune, je crois que 6 jours, elle est où? Alors, le plus Où est la Lune? Est-ce qu'on la voit à cette heure-ci? Non. Pas d'ici, en tout cas. Non. Ça fait un moment que je ne suis pas allé dessus. Je ne sais pas si c'est ça. Non, ça c'est le rond. Quand je suis pas concentré dans mon projet, des fois c'est pas même que je renomme tout. Ah, c'est pas facile, hein. Alors Ouais, après, on va si t'as passer dessus. renommé et qu'il y a un calque qui s'appelle Lune, Ouais, je normalement peux tu peux le aller là. rechercher, Dans objet dynamique, je pense. ouais, ou tu peux rechercher juste le nom Lune, t'as la barre de recherche, par nom. Elle est grisée. Non, non, par là où t'as mis type, tu dois mettre name ou nom, je sais plus. Ah oui, c'est juste. Ouais, hop. C'est juste, j'ai Et si oublié. tu l'as bien renommé, voilà, t'as vu? Là, ouais, c'est juste. Je le fais pas souvent parce que j'aime bien me casser la tête à tout regarder. Je sais pas Ah, pourquoi. bah ça peut faire partie du process. Ouais, je pense que ça doit être, voilà, par exemple, typique un objet dynamique qui rouvre à côté puis qui a d'autres calques. Alors ça, c'est, je veux dire, c'est tout petit parce qu'il y a des fois où j'en ai 45. Ouais. Juste pour un objet comme ça m'allège en fait mon poids parce que l'image déjà là elle fait 13 gigas donc si je peux des fois passer en dessous en faisant beaucoup d'objets dynamiques ça m'aide parce que l'ordinateur même j'ai une bête de course des fois alors là par exemple bah, j'ai un objet dynamique encore dans mon objet dynamique que je vais rouvrir c'est mon fameux focus stacking. Ouais, non, mais c'était tentant. Ouais. Je me suis mal exprimé. Ah, T'inquiète. Hein. ça m'est un peu long. Oui, c'est oui, parce qu'à chaque fois que tu as un bout de calque comme ça, effectivement, tu reprends l'ouverture de tous les fichiers auparavant, quoi. Voilà. Et puis là, ben voilà, j'ai mes calques avec. Toutes les épaisseurs, tous les détourages au fur et à Voilà. mesure, Ouais. pour Alors, récupérer, en fait, pour être sûr d'avoir le point, d'avoir la netteté la sur netteté tous les partout. éléments de la Lune. Voilà. Autant au bord ici que ici, qu'on voit bien les cratères. Ce qui est important pour mon image, parce que comme elle est en premier plan, il faut que ce soit net jusqu'au bout. Parce que si ici, au milieu, au centre, c'est net et que le bord de la Lune est flou, ce sera pas du tout réel, ce sera pas Ouais, ce sera cohérent. plus crédible. Voilà. Du coup, je me suis cassé la tête un petit coup comme ça. Voilà. Alors, je repassais là. Là. Bon, c'était la petite parenthèse objet dynamique. Il y a Crico qui nous dit une petite question. Est-ce que tu te sens dans ton travail proche d'Andreas Gursky en partant de photos et en les retravaillant? Et comme je connais pas du tout Andreas Gursky, moi je vais aller Non. chercher parce que je sais Ouais, je vais regarder après. pas. Ouais, Andreas Gursky qui fait des photos toutes très très paysages et pas mal de collages aussi. Alors moi, j'essaie de faire un peu vraiment toutes mes pensées, donc que ce soit autant paysage que plus rapproché, mais toujours avec des personnages. Parce que je m'inspire aussi, pareil, de Rick Johnson, mais aussi d'un peintre, Rob Gonzalez, qui est un peintre surréaliste que j'adore, qui est vraiment hallucinant. J'ai un livre là, je sais pas si je peux le montrer. Oh, si tu veux, okay. Je me prépare une petite vue qui va bien pour les livres. Pour s'imaginer un peu à quoi je me. Sur quoi tu t'inspires là-dessus? Ouais. En vitesse. Je ne vais pas trop m'étaler parce que. C'est marrant d'ailleurs parce qu'il Il y a des genres a deux noms. d'illusions. Il y a Rob Gonsalves et Rob Gonzalez. Il a un nom d'artiste et un nom public. Et c'est le même. Ouais, c'est juste. C'est ce genre d'image d'illusion, en fait, de trompe-l'œil que j'adore, qui met toujours des personnages à l'intérieur.
Ouais. Et je me réfère beaucoup à ça, en fait. Alors, là, l'horizon, maintenant, on voit que ben, c'est l'horizon de la photo, puis je la voulais quand même mieux détaillée. Du coup, ben, voilà, je rajoute les sapins. Surtout pour l'horizon. Et là, ben, voilà, pareil. Je fais une sorte de continuité pour avoir un bel arrière-plan. Et là, ben, je travaille la colorimétrie parce qu'il ne faisait pas si sombre. Là, ici, ben, je cache parce que ce qu'on ne voit pas trop là, c'est qu'il y a un gros sapin que j'ai découpé et ben, il faut bien l'enlever. Alors, du coup, je rajoute une photo que j'ai prise à ce moment-là, que j'avais anticipé, ben, j'avais vu ce sapin. Du coup, ben, l'horizon n'est pas si mal. Et maintenant, un peu de travail de lumière, toujours, avec toujours mes photos. Et là, ben, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai fait mes propres pinceaux aussi avec de l'herbe, pour avoir toujours des herbes pour détourer, Pour pouvoir pour intégrer plus masquer. facilement, pour. Ouais. Si on regarde. Alors, je me rends compte que je suis pas beaucoup, beaucoup sur la partie YouTube, et que dans le chat, il y a Parasite Mob qui dit bon, coucou Bruno, Reliwa qui dit coucou Bruno, et qui dit Rubatel te dit salut. Je pense qu'il y a tous tes copains, tes Excellent. collègues qui sont là. Eh, sympa, sympa. C'est sympa. Je passe le bonjour aussi alors. Corvanders 2 nous dit, je verrais bien un petit loup un loup-garou dans la forêt, à la sortie de la forêt là-bas. Et Ouais. y a plus de calques dans un objet dynamique, plus le PC ou le Mac en souffre-t-il en fait. Alors non, votre Non. disque dur va en souffrir, parce que vous allez conserver les étapes du fichier Photoshop. C'est comme si tu dis, bah tiens, j'ai pour la Lune, par exemple, tu as tous les empilements de la Lune. Mais quand tu le mets dans l'objet dynamique et qu'il est à l'intérieur de ton fichier, en fait, tu as bien le poids dans le fichier Photoshop contenu, mais par contre au niveau de la manipulation, c'est comme si tu manipulais qu'un seul calque. Et du coup, c'est Exactement. le Mac ou le PC en souffre pas beaucoup plus là-dessus. Ouais, puis les fichiers sont moins lourds parce que là, il fait déjà 13 gigas. Et si j'aurais tout laissé les calques à jour, je pense que je serais arrivé à 20 gigas, puis je pourrais plus rien faire, hein, à mon avis. Du coup, voilà l'éclairage. Ensuite, voilà le personnage que j'ai détouré. J'ai fait aussi un objet dynamique dans un objet dynamique. Bon. T'as intérêt de pas te perdre dans tes enchaînements d'objets Non, dynamiques, les uns ouais, après les autres. je renomme tout, c'est pour ça. Et puis, je suis assez exigeant sur, voilà, sur la hiérarchie. Et puis, à force, on s'habitue, puis ça roule, là, un petit coup de John Byrne. Alors, désolé pour le zoom, c'est lent. Parce que Ça, mais alors pour le coup, je pense que il y a tout qui est personne t'en ouvert. voudra. Parce que vu la taille du fichier, des fichiers Ouais. qui sont manipulés, c'est. Là, ouais, il fait 8000 par 6, ouais, c'est C'est ça. ça, hein. Ouais, 8500. Mais ça va encore, celui-là, il n'est pas très grand. Et Là. ouais, parce que l'image finale fera 300 mégas. Donc 80 cm de large en Ouais. tirage, à peu près, c'est Ouais. pas mal. Ouais. Bon score. Ouais. Mais il faut un bon PC s'il veut pas pour pas griller. C'est un ami qui me l'a monté. Exprès pour ces cas-là. Ouais. Alors là, ben, en fait, je fais une lumière un peu diffuse pour présenter ma lune. Voilà, Je tac. t'en prie. Et là, je fais la colorimétrie. On va attendre un peu parce que ça doit charger. Ouais, c'est ça. Là, Là, on est bon. ça C'est bon, c'est commence à bon, c'est monté, poser. ouais. En tout cas, chez moi, c'est arrivé. Tout va bien. Ouais, après, là, voilà. Tac. Ouais, d'accord. Donc vraiment intégrer à la fois l'objet physique, mais aussi toute la lumière, s'assurer que la lumière soit cohérente d'un. Ouais, voilà. Parce que comme en fait la Lune, bah, c'est une reproduction, je me suis assez cassé la tête pendant un moment pour me dire comment je vais faire pour que en fait elle soit lumineuse en fait. Et en fait je me suis dit c'est tout simple, quoi. C'est le soleil éclaire la Lune, donc je vais éclairer la Lune avec un flash. Et j'ai simulé ça sur Photoshop. D'accord. Parce que j'ai essayé qu'un vrai flash, c'était pas terrible. C'était tout cramé. Alors là, le nœud.
Le fameux nœud que tu avais fait à l'échelle et en plus grand. Et... Ouais, que j'ai pris en photo aussi. Là, ça met un peu de temps. Alors là, il y a premier petit nœud parce que vu que la corde est plus petite, je travaille la colorimétrie, etc. Et pour être sûr d'avoir la bonne intégration dessus. Ouais. J'ai Olivier qui nous demande est-ce qu'il y a une intégration 3D ou est-ce que c'est en projet, pourquoi pas avec du substance par exemple? Est-ce que ou toi tu fais vraiment photo-photo? Je fais vraiment photo-photo parce que j'ai essayé, ben je peux montrer après sur Eradicate, j'avais fait le virus sur Cinema 4D. Mais mon but vraiment, c'est de faire que de la photo et au plus réel possible. Je sais qu'avec l'image 3D, maintenant, on arrive assez haut dans les détails, comme si c'était réel. Mais ça me plaît plus de travailler la lumière et de comprendre comment ça fonctionne. Et puis ça reste de la photographie, quoi. C'est ça ma passion avant tout, quoi. Ensuite, l'herbe. J'ai fait un petit coin d'herbe, en fait, que j'ai détouré pour mettre devant, pour donner un peu de réalisme. Là, ben voilà, ça commence à s'éclaircir. Donc ici, j'ai mis tout simplement un cercle lumineux, enfin blanc, tout simplement, que j'ai diffusé. Des techniques toutes simples. Des fois, le simple fonctionne bien. Là, D'avance. une petite correction. C'est fou de voir justement cet empilement de calques et le nombre d'éléments que tu intègres au fur et à mesure. Ouais. J'ai JPV Villard qui nous dit, mais par la suite, l'objectif de tes réalisations, c'est d'être vendu? Alors, j'aimerais les montrer comme œuvre d'art. Donc en très grand format et numéroté. Donc oui, j'aimerais les vendre. Pas maintenant, parce que j'attends d'en avoir une vingtaine et puis de faire une grande expo haut de D'accord, gamme. ouais. Après, bah, je cherche des galeries, hein, je commence un petit peu à me renseigner. Parce que j'ai fait un tirage qu'on voit ici d'un mètre. Ouais. Et quand je vois le résultat sur un mètre, je me dis, ah, faut vraiment que je fasse une expo pour montrer vraiment ma vision du monde, quoi. Avant pour tout. avoir tous les détails et tout. Par exemple, jusqu'où je vais, des fois, je me demande si je suis pas un peu maso ou s'il y en a qui font comme moi. Par exemple, des petits détails de colorimétrie à mon avis, on perçoit pas une fois tout fini, mais on perçoit quand même, à mon avis. Comme là, une corde, je la fonce à peine avec un verre Oui, bien sûr. pour qu'en fait, ça se fonde mieux dedans. Alors, si je sais pas si c'est que du masochisme, mais je pense qu'il y a un bon sadisme de la part des directeurs artistiques qui dirigent des studios de retouche ou qui dirigent des agences justement pour faire les images de pub, pour faire Ouais, tous les photomontages. c'est ce que j'aimerais travailler aussi là-dedans. Je pense que t'es pas tout seul du coup. Tout va bien. Alors, j'ai mis un chat. C'est notre chat. Pour mettre un peu de vie. Alors, Alors là, il est il a le droit d'être posé. présent dans toutes les photos ou juste quelques-unes? Alors, le truc que j'essaie de faire dans toutes mes images, enfin, presque, c'est de mettre des animaux. Parce que, comme j'étais photographe animalier et puis que je suis assez sensible à la nature, j'essaie toujours de mettre un animal pour un peu, comment dire, montrer mon passé de naturaliste, on va dire. J'y suis toujours, mais dans une autre forme. Et du coup, je mets toujours un animal sauvage, un oiseau, un renard, ou un chat, ou voilà. Et du coup, des fois, je les cache un peu comme ça, tout l'intérêt d'avoir des très grands formats. Alors après, j'ai oublié encore d'ouvrir celui-là. Ça, ben, j'ai pris des photos de fumée que j'ai rajoutées pour faire comme si elle venait de passer la couche d'ozone, en fait. Comme si elle était encore chaude. Là, on voit que. Quelle est la température de la Lune? Alors ça, c'est une bonne question. Froid. Ma copine le saurait, je pense. Alors,
T'as le droit à l'appel à un ami pour avoir les réponses aux questions que tu connais pas. Et après, on fera un sondage à 50-50 dans le public. Voilà, exactement. Alors, le soleil, c'est que c'est chaud, mais c'est froid, là. La lune est froide. Alors, en fait, là, j'arrive un peu à la fin de mon image. Elle s'est construite. J'ai eu tous les problèmes que j'ai eu à résoudre, parce qu'il y en a. Et du coup, là, ben, le traitement final, j'appelle. Et là, je donne un côté, comment on va dire, je peins un peu mon image, si on veut. Je ne sais pas trop comment expliquer. Je fais de la post-prod, quoi. Tu vas faire, en fait, toute la partie de painting qu'on retrouve sur les dessins. C'est vrai que c'est un truc qui n'est pas forcément connu. T'as ça en photo, en retouche, en photomontage, d'avoir vraiment l'intégration finale, d'avoir les... Voilà, ouais. Alors, il y en a beaucoup qui le font sur Camera Raw, mais moi, je préfère directement piler les calques pour avoir toujours une totale maîtrise de tout ce que je fais et toujours voir mes calques. Donc voilà, en gros, voilà, c'est fini comme ça. Donc, sans le traitement, on a déjà une bonne idée du truc. Puis, c'est à ce moment-là que j'estime que je veux telle lumière, enfin, telle couleur, etc. C'est là que je donne ça, en fait. Oui. Comme là, j'ai joué avec le bleu-violet, légèrement vert, avec le jaune, et les dégradés que j'aime bien, comme ça, du vert jaune au bleu. C'est à ce moment-là que je fais ça. Alors, des fois, ça peut prendre vraiment du temps, parce que je suis vraiment un pinailleur. Je veux que tout soit comme je pense. Ouais. Bah, c'est le principe d'être auteur de de son image. Voilà, et puis en gros, voilà à quoi ça donne. Donc, pour ce. Là, je travaille toujours au 200e. Parce que j'ai travaillé avec beaucoup de tireurs photo. Okay. Et ils m'ont toujours dit, si tu veux avoir un grand format, il faut toujours regarder jusqu'à 200%. Ouais. Plus, ça ne sert pas à grand-chose parce que tu vas aller dans les petits pixels de détail. Ça m'arrive des fois. Et puis moins, le problème, si on se met que à 100% puis on fait des tirages de 2 mètres, ça peut vite se dégrader, quoi. Alors, information cruciale. Pierre nous dit entre 123 et moins 233 degrés. Vu qu'il n'y a pas d'atmosphère, la surface de la Lune prend les rayons du Soleil en pleine balle. Donc, un gradient jour-nuit de 300 degrés. Faut pas être entre les deux, tu vois. Genre, est-ce que je mets une laine ou est-ce que je mets un t-shirt? C'est pour ça, elle est froide, donc elle atterrit sur Terre, elle fume. C'est ça. Ouais. Voilà, en gros, comment je construis une image. Alors, ça, c'est. Un procédé. D'autres images, je vais complètement travailler différemment. Et c'est vrai que du coup, on est sur une image, mais qui est vraiment gigantesque, ça reprend tellement de détails, de manières d'aborder cette photo-là. Ça fait un paquet de trucs. Tikenio nous dit pinailleur, non léger seulement. Comme population stacking, je vais peut-être essayer de l'ouvrir pour voir un peu une autre manière de faire. Alors, population stacking, c'est celui qu'on avait, voilà, c'est celui que j'ai utilisé en arrière-plan de la session. Ouais. C'est pas celui qui est en tirage derrière toi, hein, c'est un autre, celui-là. Non, c'est The Moving qui est en tirage. Donc, The Moving, j'ai travaillé d'une manière, et cette manière m'a ouvert un peu l'esprit à un croquis que j'avais depuis je sais pas combien d'années, et je me suis dit je sais pas comment je vais réaliser ça. Je sais pas si je l'ai là, je l'ai dessiné, mais je pense qu'il y a 3-4 ans. Je l'ai dessiné comme ça. Vas-y, montre en stable, nickel, là on est bien. Ouais, donc t'avais déjà tout ton enchevêtrement de maison, et puis surtout t'avais toute l'organisation entre le premier plan, les plans suivants. Alors oui, j'avais déjà la composition parce que je l'avais de tête. Hein, encore une fois, souvent mes idées me viennent en rêvant. Je rêve, et puis des fois je rêve même que je les construis. Est-ce que tu te rêves devant Photoshop? Non, je rêve en train de prendre des photos à la main, et que je les construis.
D'accord. que je les mets et puis que je les cloue. Et puis c'est vraiment bizarre. C'est les rêves, quoi. Ou des fois, comme celle-là, j'ai vraiment rêvé d'un empilement de maisons, mais qui n'était pas du tout comme ça. Puis après, je me suis inspiré de Jacek Jirka, un peintre surréaliste aussi, qui. Il y a mon câble qui. Voilà. Qui fait beaucoup de peintures avec des maisons empilées, des trucs comme ça. Et puis ça m'a inspiré. Et j'ai dessiné ce croquis. Et après, ben, il m'a fallu du temps avant de démarrer le projet, parce que je ne savais vraiment pas comment j'allais faire. Et j'ai fait The Moving, qu'on voit là, que l'on peut voir là. Oui, il n'y a pas mon bruit. Ah ouais, voilà. Là, je ne sais pas si vous voyez. J'ai fait celui-là en premier. Donc là, j'ai travaillé avec SketchUp, le programme 3D, pour faire un gabarit pour que les proportions fonctionnent, en fait. Qu'on n'a pas l'impression que la maison soit trop petite ou trop grande, ou le personnage, ou etc., quoi. Et alors attends, là, ce que tu me dis que cette image-là, non, là c'est ton image finale, c'est pas l'image de SketchUp, ça. Non, 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 c'est Non. l'image finale, Ouais, non, d'accord. Oui, c'était par mais rapport au. j'ai créé le gabarit avec un programme 3D que SketchUp pour après pouvoir incruster mes photos de bâtiments. Juste. En fait, alors attends, je reconstruis tous mes bâtiments. Je prends pas une photo de bâtiment, je reconstruis tout. Ouais, parce Donc, que t'as pas forcément le bon angle le jour de la prise de vue, t'as pas. non, non, justement. Ça, par contre, je ne l'ai pas préparé, mais je pourrais bien le montrer. Pendant ce temps-là, Daniel nous dit, c'est là que la frontière imaginaire et réelle prend vie, notamment du fait que du point de vue purement astronomique, il paraît que certains diraient que la Lune ne reflète plus la lumière du Soleil, elle devrait donc être grise et toute bleutée. Ah oui, donc ça c'est le projet SketchUp. Oui, alors après la Lune, j'ai voulu l'illustrer comme on la voit. Parce que c'est sûr que si elle est posée sur Terre, on ne va pas la voir comme ça. Alors voilà, ça c'est le dossier SketchUp. Donc j'ai fait tous des bâtiments que j'ai empilés, que j'ai disposés comme je voulais. Et avec la lumière de telle heure, et avec cette heure-là, je me suis dit, bah, maintenant j'ai une base pour aller faire mes photos. Du coup, ben, j'ai fait des centaines et des centaines de photos de bâtiments. On peut voir là. Tac. Alors, j'ai T'as principalement à écumé toutes les rues de Pontarlier. Neuchâtel, hein, Pontarlier, ok. Pontarlier et La Chaux-de-Fonds. Pour ceux qui connaissent, évidemment. C'est ça. Par exemple, si je veux un toit à la hauteur de Chaux-de-Fonds, ben, j'allais sur le pont et je prenais un toit en photo de face. Comme là, par exemple. Ou des bâtiments à contre-plongée avec toujours une belle esthétique de bâtiment. Je voulais pas des super modernes, des trucs comme ça. Ça m'intéressait pas trop. Ce genre de vieux bâtiments qui ont du cachet, j'aime bien. Et du coup, je vais essayer de la lancer. Si mon je vais peut-être. Ouais, c'est bon. Je ne vais pas faire exploser l'ordi, ce serait bien. On va voir. Conserver le calque. Pourquoi il me dit ça? Hein? Allez. Bon, il est un peu moins lourd, mais comme j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'objets dynamiques Il y et a de encore beaucoup liens. de calques et d'objets dynamiques Ouais. dedans, parce que tout à l'heure, quelqu'un relevait que c'était Core Vendors qui nous disait waouh, 13 gigas pour finir sur un fichier de 300 mégas. Quelle quantité de d'infos. Ouais. C'est. Après, bon, en fait, cette manière-là de travailler et puis celle-là sont les mêmes, en fait. Donc, je prends des façades en photo. Et puis après, ben, par exemple, si je veux cet angle-là, je prends la façade
pour photo, je la découpe. Okay. Si je veux juste prendre les fenêtres, ben, je détourne les fenêtres ou j'enlève les fenêtres pour avoir Pour un garder fond la neutre, profondeur. avoir un fond neutre sans rien. Et puis après, je rajoute les fenêtres un peu où je veux. Donc là, je travaille beaucoup avec Ah, ouais, ça met du temps. Ah, moi, ça va encore. Je suis étonné. Et ben, je vais en parler quand c'est ouvert parce que c'est compliqué comme ça. Et ça, la blague des gros fichiers. Delphine nous dit, mais quel remarquable boulot à tout point de vue. Merci, c'est sympa. Et vous avez vu, hein, pour les gens qui nous suivent dans le chat, je vous mets au fur et à mesure des liens. Et cette série de liens, j'irai la poster tout à l'heure sur le Discord, dont je vais vous mettre le lien aussi, comme ça vous pourrez le retrouver. Discord en français, sur lequel on échange, sur lequel on se donne un petit peu les infos pour les sessions à venir et pour tout ce qui se met en place. N'hésitez pas à nous y rejoindre si vous faites partie des utilisateurs et de la communauté. Là, je pense qu'il va s'ouvrir gentiment, mais Doucement mais sûrement. il bloque un peu tout pour, je pense, pouvoir Il l'ouvrir. est en train de calculer ses fichiers au fur et à mesure. Il va vérifier que tout est bien intégré, que tout est bien Voilà. présent. Oui, alors là, du coup, j'ai vu tout à l'heure, il y avait au moins 300 fichiers, 300 photos. 340 de bâtiments, ouais. Donc, bah là, par exemple. J'ai vu cet arbre et je me suis dit ça pourrait être sympa de mettre un peu de végétation dans les villes en hauteur. Et toujours avec le soleil au bon endroit, hein, évidemment. Alors bah, j'allais me balader dans la ville, l'appareil photo à la main, trépied. Et puis dès qu'il y a une façade qui me plaisait ou qui était bien illuminée comme je voulais, bah, hop, je fais des photos. J'ai passé des semaines entières à faire ça. Une fois que j'avais vraiment assez de matière, ben, je me suis dit, bon, ben, je monte le truc. Alors, qu'est-ce que ça dit? Il a planté ou... Possible. Ouais, j'espère pas. Et puis là, on exige, on lui demande des grosses images dans tous les sens. Mais laisse-lui le temps, tout va bien. Oh oui, bien sûr, Et pas de souci. Pierre qui réclame des likes, comme il dit, des pouces en l'air pour la session. Mais oui, on est là, tout va bien. Ah, par exemple, typique ça. Hop. Voilà, je voulais cette façade de bâtiment que je trouvais vraiment chouette. Après, bah, il y a les reflets à enlever. Ou... Bah, là, on voit que c'est un peu déformé, là, le balcon. Du coup, bah, je retravaille un peu ça. Ou des fois, carrément, j'enlève tout. Et puis, je refais une façade neutre. Et puis, je remets les fenêtres Tu un peu remets comme les je fenêtres veux. selon l'épaisseur dont tu as Voilà. besoin, quoi. Je retravaille mon architecture en fait. Ouais, ça devrait pas tarder. Oh non, mais t'inquiète, hein, y a pas d'urgence, on n'est pas à la course. Tout va Non. bien. Tout va bien. Je vous ai tous partagé, hein, au début l'Instagram de Bruno. Je vous ai partagé son Behance, notamment bah, sur le projet Eradicate dont tu nous parlais tout à l'heure, Ouais. avec le petit bout de virus en 3D. Comme C'est ça, celui-là, c'est ouais. celui-ci. Comme ça, vous pourrez le retrouver si vous cherchez. Alors, en fait, cette image, je l'ai fait au début de la pandémie, à côté de chez moi. J'avais envie d'imager ces moments-là, quoi, où il faut éradiquer ce genre de choses, ou même sa deuxième signification pour moi, c'est aussi quand on veut éradiquer quelque chose dans notre vie. C'est aussi ça, pas forcément un virus, mais plein d'autres choses. Du coup, j'ai imaginé une personne qui se balade dans un champ et qui attrapait au vol un virus et puis qu'il fallait le Et puis bazarder. qu'il fallait s'en débarrasser. Voilà. Du coup, ben, là, j'ai travaillé, j'ai mis comment, une lampe avec comment, une ces lampes japonaises que j'ai branchée. Et du coup, là, la chaîne, je l'ai tenue par moi-même, ainsi de suite, plein de photos comme ça, imbriquées. Ensuite, ici, bah, le panneau, j'ai pris un panneau quand j'étais en Alsace. J'ai pris des panneaux de signalisation, tout simple, et puis j'ai reformulé. Là, l'horizon, je sais pas si on voit bien, mais on voit un horizon d'arbre que j'ai pris dans une autre photo.
La photo du ciel s'était fait au Yellowstone, aux États-Unis. Donc, il y avait vraiment une belle voie lactée. Du coup, je l'ai pris pour cette image parce que je trouvais que ça parlait bien. Et puis les nuages. Oui, alors du coup, tu dis Yellowstone, ça veut dire que tu fais pas que des shoots entre Pontarlier et Neuchâtel. Non, je vais vraiment partout. Enfin, j'ai de la chance de connaître pas mal d'endroits. Bon, après, je m'en parle, ça, je suis allé au Yellowstone une fois, on a voyagé avec ma compagne, et puis j'avais ce ciel, et je me suis dit, tiens, ça claque. C'était l'occasion, ouais. Voilà, mais si j'ai un projet, puis que je veux vraiment faire les photos de A à Z, ouais, je peux aller loin, quoi. Comme là, le sol, il y a 48 photos à peu près. Ça a l'air tout Et c'est. naturel, tellement de... Oui, 48 photos. Ouais, mais j'ai bien imbriqué. Ben ça, c'est dans un objet dynamique, il y a toutes les photos. Du coup, j'ai le sol que j'ai pris dans le sud du Jura, en France, vers Tavaux. Et j'avais mon trépied de 10 mètres. Et puis, je me suis mis au bord du champ avec mon trépied de 10 mètres. Et j'ai pris les prises de vue à peu près comme je voulais. Alors, Et. le trépied de 10 mètres, t'as pas peur de tout faire tomber et de racheter Non, un non, boîtier à la c'est. fin? Des fois, ça fait peur, mais il est conçu pour, hein, vraiment. Il fait, ouais, il est comme ça épais. Il monte, il a vraiment il est bien conçu, quoi. Ouais. Mais oui, il y a une ou deux fois quand il y a du vent, j'emmenais pas large. Ouais, tu m'étonnes. Je vais vite jeter un œil si ce que ça. Ah, bah voilà. Ouf, le fichier a fini par s'ouvrir. Ouais, enfin. Alors. J'espère que je peux tout montrer parce que c'est chaud et marrant. Alors, vu comme ça, on dirait qu'il n'y a pas énormément de calques. Mais si on va dans les calques, Ouais, si c'est tu un ouvres les véritable objets dynamiques, casse-tête. ça va nous faire la même blague que tout à l'heure, c'est ça? Tu Mais, vas avoir des objets dans des ouais, objets, des voilà. calques les uns dans les autres, imbrication à fond. Voilà. Puis là, ben, j'ai fait beaucoup avec des calques de liens Ouais. parce que je me suis rendu compte que c'est quand même un peu moins lourd. Et puis. J'étais obligé, quoi. Parce que là, celle-là, l'image fait 10 000 pixels par 7 500. Donc, elle est grande. Et là, j'ai voulu vraiment aller à la limite de ce que je savais faire avec cette image. Il m'a fallu un an et demi pour la faire. Donc, du début du projet jusque vraiment finaliser. Du coup, ben, ça, c'est un objet dynamique. Ça aussi, où il y a des centaines de calques. Alors, par exemple, un objet ouais, dynamique et un calque de lien, comme ici on voit. Donc, si je clique dessus, je vais peut-être fermer la vidéo là. Hop. D'accord, ouais. Là, en fait, bon, là je l'ai fusionné. Donc, il y a une, deux, trois, quatre, il y a cinq, six photos De nuages qui sont de de ciel qui nuages. sont Voilà. assemblés. Voilà Alors pour. pour ceux qui se posent la question, tout à l'heure on a regardé les objets dynamiques qui étaient des fichiers PSD dans le fichier PSD. Cette fois-ci, les fichiers liés, c'est des objets dynamiques qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire que vous avez L'extérieur, ouais. un fichier PSD qui est importé en fait à l'ouverture de votre fichier. Je regarde comme je travaille. J'ai un. Alors, Population Stacking. J'ai un fichier qui s'appelle photo. Et puis là, j'ai tous mes fichiers maison 11, maison 10, maison 9, etc. Où c'est que j'ai lié pour justement alléger le truc. Parce que sinon, c'était compliqué d'avoir autant de détails. Parce que si on. J'espère que je peux zoomer un peu. Oui. Parce que si on On a regarde, l'air j'ai d'accord. vraiment. Hein? Pourtant, j'ai un ordi, une bête de course, mais là. Ah, ça met un peu de temps. Je suis quelqu'un de patient. Donc, quand je travaille ce genre d'image, je suis vraiment. Comme là, on voit que j'ai pris des photos de linge. Là, j'ai un ami à moi. Qui a posé pour moi dans une fenêtre et je l'ai incrusté. Là, il y a ma compagne qui est en train de tirer un seau d'eau. Là, il y Ouais, a un autre ami. tu mets des petits caméos, des petits clins d'œil à toutes tes équipes, tous les gens qui sont avec toi quand il faut tenir le trépied, les lampes et les flashs. Ouais, si on veut. Là, c'est vraiment un ami qui a voulu poser pour moi. Enfin, j'ai dit OK, c'est cool. Là, je l'ai mis là, quoi.
avec son café. Et en fait, c'est le même là-haut, Giovanni. Il est présent deux fois. Ouais, mais voilà, il faut bien regarder hein, si, pour s'en rendre compte. Là, il y a même Tu mon chat. pourras faire des jeux concours, essayer de deviner combien il y a de Voilà. personnages et ne faire gagner que ceux qui ont reconnu que c'était deux fois le même. Exactement. Là-bas, j'ai un tracteur qui ben voilà, Qui est pan. qui est pan, voilà. C'est un peu, en fait, la signification, l'image qui veut dire bientôt, on n'aura plus que des gens dans des villes en hauteur et puis de la culture et puis plus de nature, en gros. C'est ça. Alors, pour voir, par exemple, grande ville, si on regarde, c'est laquelle? C'est celle-là. Alors là, je double-clique sur mon lien. C'est cette ville-là en objet dynamique. En fait, j'ai fait les villes à part, puis je les ai imbriquées dans mon image D'accord. pour que ce soit plus léger, Pour que ce soit plus justement. léger et que ce soit fonctionnel, parce que sinon tu Voilà. dois effectivement attendre des plombes. Il y a Ouais. Nikki qui nous dit, mais j'ai vu la vache qui devait être l'animal caché. Ah non, j'ai pas mis de vache là. Ah. Trop caché. Là, il y a une buse et puis des pigeons. Yves qui nous dit, je regarde depuis un bon bout de temps du boulot d'horloger pour mon compatriote, et bonjour à tous, parce que Yves est suisse. Ah, Et salut. j'ai dit qu'il croyait pas si bien dire. Ah ouais, j'ai beaucoup de patience. Il faut beaucoup de patience pour faire ces images. Après, j'insiste aussi assez, là je ne l'ai pas encore trop dit, mais sur la signification aussi des images. J'essaie vraiment que ce soit pertinent à regarder, quoi. Pas que ce soit, par exemple, le surréaliste qu'on voit toujours avec je sais pas, une grande bouteille ou un grand truc. Ou... J'essaie de faire des choses plus compliquées, enfin vraiment pour que les gens accrochent, quoi. Et je pense qu'en grand format, ça va être encore mieux, j'espère. Alors du coup, ça t'as déjà tes infos sur le moment où tu vas le tirer, tout ça, c'est déjà prévu, c'est ou c'est Non, pas en du tout. attente? Non, je fais totalement. Bon, je sais pas du tout. Là, je fais des projets d'avenir. Voilà. C'est sûr que c'est un rêve depuis longtemps de faire une grande expo surréaliste. Et ben, j'y travaille. J'y travaille. Et puis, j'espère un jour en vivre, surtout. Alors, ben en attendant que ça charge, je peux un peu montrer les autres, si tu veux. Ah bah vas-y, puisqu'on était dans les recherches d'animaux, ouvre-nous donc le jugement. Ouais. Alors, le jugement, je l'ai créé parce que, ben voilà, comme je suis issu de la photo animalière et puis que j'ai toujours l'impression qu'on dérange quand on est dans la nature, alors que c'est pas toujours vrai parce qu'on fait partie de la nature aussi. Mais j'avais envie d'illustrer ça avec un promeneur début de nuit qui arrive, puis qui se balade avec sa lampe de poche, et puis que tous les animaux le jugent, en fait. Donc, il y en a beaucoup qui m'ont demandé si c'était toutes mes photos. Et c'est toutes mes photos, il y a des centaines d'heures d'affût, là. Oui, parce Donc qu'on est d'accord là, qu'à moins d'aller au zoo, tu l'échappes pas tous en même temps de cette manière-là. ben... Non, c'est pas possible. Mais il faut aussi savoir que j'ai des milliers de photos d'animaux. Du coup, ben, pour cette image-là, j'ai repiqué Dans dans ton mes fond. archives. Ouais. Et alors c'est j'ai posé une question, j'ai pas du tout anticipé ça, mais est-ce que c'est un fond? Donc tout à l'heure tu me disais enfin on trouve pas forcément ces images-là et tu les as fait beaucoup pour toi. Est-ce que c'est un fond que tu pérennises et que tu utilises par exemple genre sur du Adobe Stock ou des choses comme ça, hein, genre réutiliser enfin reproposer tes images pour des banques d'images? Les images que je fais là, tu Ben non, dis? justement les autres, les anciennes, tes photos animalières et tout ça. Ah ouais. Ah oui, j'ai jamais pensé, en fait. Ouais, ce serait bien que je les utilise, parce que j'en ai beaucoup. Puis C'est ça. j'en ai des belles aussi. Donc ouais, c'est une bonne idée, ça. Il faut que je creuse le truc. Merci. De rien, c'est les petites idées comme ça, parce que c'est vrai que je monte beaucoup, moi, tu sais, quand on fait les sessions Ask Pro, je monte souvent l'usage d'Adobe Stock, c'est-à-dire aller chercher une image pour l'intégrer dans une compo. C'est des trucs qu'on utilise beaucoup en agence de pub, qu'on utilise beaucoup en création pour les packaging et autres. Mais pour ça, il faut des contributeurs, donc il faut des photographes et des Ouais, artistes qui c'est vrai. alimentent la banque d'images. Je vais y penser, c'est une super idée.
Tikenio qui nous dit, ça me fait penser au photomontage d'Éric Deville lors d'une expo sur la tour de Babel au musée des Beaux-Arts de Lille. Je connais pas, il faut que j'aille voir. Ouais, ericdeville.be, qui a l'air d'être un photographe Je belge. noterai tout ça après. T'inquiète, alors Après, t'auras tous les liens dans le. Il y aura tous les liens sur le Discord et directement sur la page. Donc tout va bien. comme je suis du pays de l'horlogerie, j'ai fait un truc sur le temps. J'ai fait une image d'un album pour un groupe de rock de ma région, les Serges. Je suis allé tous les jours pratiquement. Je regardais pour avoir une mer de nuages. Et un samedi matin, à 7 h, je regarde et je vois une mer de nuages à 50 bornes. Et du coup, je prends la voiture et je pars. Et j'ai sorti cette image que j'avais aussi depuis longtemps en tête, que j'avais dessinée quand je travaillais, enfin quand j'étais en pause, hein, d'accord? Attention, tu vas te faire taper sur les doigts. Non, non, Quand j'étais en pause, j'ai toujours mon carnet de croquis, puis je dessine, puis je l'ai dessiné à ce moment-là. non. Donc, c'était un peu la nostalgie de remonter dans le temps quand on était gamin, puis qu'on n'avait pas vraiment d'obligations et tout ça. J'avais envie un peu d'imager ça, quoi, avec un beau paysage. Donc, encore une fois, la montre, elle n'est pas très grande, hein. J'aurais pu la prendre. Elle est comme ça grande. Et puis, je prends avec un objectif macro. Et puis je l'incruste au plus réel avec la lumière du jour qui fond, etc. Je peux vous montrer le travail que j'ai fait en parallèle. C'était avec le ballon. Ah bah Donc oui. ça, c'est un groupe de rock de ma région, en Suisse. Toujours les Serges. Les Serges, ouais. qui m'ont demandé, parce qu'ils adorent mon boulot, ils m'ont demandé de faire leur couverture d'album, enfin la photo de la couverture d'album. Et puis j'ai imaginé, l'album s'appelle Hors du temps, je peux le montrer. C'est celui-là. Là. Un album vinyle, ça m'a fait plaisir de voir le travail fait, c'était cool. Comme c'était hors du temps, je me suis raconté une histoire comme quoi le groupe rentrait du passé, des années 60, en ballon, avec une montre accrochée au ballon pour dire, voilà, on était dans les années 60, on rentre avec la montre qui prouve qu'on était dans les années 60 pour l'accrocher à l'arbre du temps où il y a plusieurs temps différents. Et ils ont adoré. C'est très Pink Floyd comme esprit. Ouais, on m'a déjà dit plusieurs fois. Et du coup, ils ont adoré, puis on est parti sur le projet. J'ai fait une vidéo en plus, en parallèle. Donc, s'ils veulent aller voir, les gens veulent aller voir sur mon site ou. Alors c'est directement, c'est dans le projet Beyond, je crois, et je suis en train de vous mettre Ah, le lien hors du temps. je l'ai aussi. Ah oui, je l'ai Oui, aussi dans mon tu l'as Beyond. posé dans le Beyond. Je vais vous mettre le lien du Beyond sur ça. Voilà. Ils peuvent voir comment j'ai procédé, où c'est que j'ai bricolé un peu. Voilà, vous l'avez vu les autres projets. Je vais vite revenir sur celle-là. Elle n'est toujours pas ouverte. Bon, je vais abandonner. Je pense que celle-ci, c'est parce qu'il définitif. est Elle prend trop déjà de. 15 h 15. Mais le problème, c'est que je ne l'ai pas mis sur mon disque de travail. Du coup, c'est pour ça Ouais, qu'il est long. si c'est du plateau, ça prend plus de temps. Ouais. C'est le risque. Comme il est déjà 3 h 15, je vois. Ouais. Il nous disait qu'il attend de voir un Ask Pro sur les montages de bouffe japonaise testés par des Lynx. On n'y est pas encore. Je vais quitter celle-là. Non, non, non. Non, surtout pas. Ouais. Non, c'est ce que j'étais en train de me dire. Enregistre pas. Des fois, je Je vous montre réfléchis des parce que. trucs, genre je masque des cases, qui est bonne chance pour retrouver les bons calques à la fin. Bon, en gros, en fait, je voulais dire que je travaille d'une autre manière avec chaque image, en fait. Ouais, bien sûr. C'est surtout pour dire ça. Moi, je sais pas ce que tu en penses. Moi, j'ai un projet En cours, que j'ai fini. Ton dernier projet, alors. Et pour le coup, Ouais. il est pas sur le site, il est pas sur le. Non.
Justement, j'ai fini assez rapidement pour le présenter aujourd'hui, en avant-première. Je trouvais sympa. Alors, du coup, j'ai mis un mois pour le faire, un peu plus d'un mois. J'ai un ami qui a posé pour moi pour le shooting. Et c'est une vision que j'ai eue il y a un moment déjà. Alors, il faut que je retrouve là. Voilà. Ah. Voilà mon nouveau projet que j'ai pas encore publié. Donc là, c'est le tout dernier. C'est le tout dernier que j'ai fini hier soir à minuit. D'accord. Ah J'ai oui, non, mis. quand tu disais c'est le dernier, effectivement, là, Ouais, c'est je l'ai vraiment fini tout hier à frais. minuit. Ouais, je vais le publier ce soir, je pense, on verra. Et comme je suis un grand pinailleur, il a fallu que je reprenne plusieurs trucs à la fois. Alors, pour voir un peu les détails vus plus proches. Oui, et puis on est toujours sur des très grands formats. Celui-là, c'est le plus grand que j'ai fait. Ouais, je peux peut-être le balancer sur Photoshop. Ouais. Oui, si tu l'as encore dans ta machine. Oui, il est. Par contre, celui-là, il est toujours dans mon disque de travail. Et puis, il n'y a qu'une centaine de calques. Ça va. Oh bah ça va, ouais, c'est presque facile. Alors du coup, en voyant cette image-là, moi ce que je me dis, et tu me dis ce que t'en penses, mais ça me fait beaucoup, ça me rappelle notre dernier invité de la fin de l'année dernière, qui était Nico, photographie, Nicolas Bigot, qui fait justement, lui, il a toute sa collection avec les robots. Alors c'est pas du tout le dernier l'année dernière, hein, c'est 18 novembre, n'importe quoi, Franck. Je vous ai dit qu'on était encore en 2019. Je suis pas prêt, je vois pas passer le temps, et c'est pas toutes ces montres de tout à l'heure. Et ouais, on avait fait une session aussi, pareil, avec beaucoup de photomontage et d'incrustation d'éléments. Ouais, trop bien. Et alors, du coup, Je me souviens. là-dedans, t'as construit quoi? Il y a plein d'éléments. Il y a la photo originale, il y a les photos des différents Oui. éléments éclairés. Sur le bras, c'est pas de Alors, l'incrustation, c'est quoi? C'est un tatouage? C'est une ouais, encre? c'est son tatouage. Je trouvais original de le laisser, en fait. Elle a une peine un peu. Je pense qu'elle est. Je veux plus. Jamila qui a peur qu'on soit parti, qui nous dit déjà au revoir et merci. Crico nous dit Welcome to the machine Pink Floyd again. Et Corvanders nous demande Est-ce que tu as déjà essayé d'intégrer des créatures fantastiques dans des paysages réalistes existants? Non, c'est pas trop mon style. J'aime bien construire, en fait, c'est vraiment comme je disais souvent, hein, pas tout le temps, mais c'est souvent des rêves que je fais à l'intense, avec des compositions presque déjà faites. Je pense que c'est du fait que je m'intéresse beaucoup à Eric Johnson ou à ces peintres, où il y a toujours un personnage, où ça doit être toujours assez fort. Ouais, tu Et parlais tout à j'aime l'heure bien. de Jacek, de Rob Gonsalves, de Jacek Tout ça. Et c'est un peu comme de la peinture où c'est que tu as vraiment un univers qui n'existe pas du tout et il faut vraiment le reproduire entièrement. Ça veut Yerka. dire autant l'arrière-plan, le sol. Ce que je n'ai pas dit, par exemple, pour la recherche de lieux, des fois, je passe plusieurs mois, voire des années avant de trouver le lieu qui me botte et puis je me dis, bah, là, ce projet, je le fais. Là, j'ai des projets que pour ce printemps, parce que j'ai trouvé les lieux, je vais les faire. Mais j'ai des projets qui me bottent, j'ai envie de faire, mais le problème, je n'ai pas du tout les lieux, je ne sais pas où c'est que je vais les trouver. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que je n'arrive plus à. Est-ce qu'il y a encore des trucs ouverts dans ton Photoshop qui ferait qu'il est en train de faire du swap de mémoire, là où il aurait peut-être pas besoin? Je vais tout refermer puis tout rouvrir. Tu vois. Ça, il fera pas de mal, Ouais. hein. Parce que je pense qu'avec tout ce qu'on a ouvert là, mon Dieu. Ouais, Et mais en ça fait plus, un paquet. on a Internet. D'habitude, j'ai rien du tout d'ouvert pour travailler. Ouais. Mais ouais, des paysages tout simples, mais incruster des trucs dedans, c'est pas trop mon truc parce que j'ai déjà des idées prédéfinies, Ouais. vraiment définies même, je dirais. Et je vais construire l'image d'après cette idée. Du coup, c'est rare que je trouve
tout qui fonctionne d'un coup et puis que je pose le truc, quoi. Ouais, de toute façon, comme tu sais qu'à la fin, il y aura de la recomposition, quoi qu'il advienne, tu sais que ça fait partie de. Que ça fait partie de la recherche et de la création, quoi. Ouais. Par contre, je suis en train de... Ah, voilà. Le Lightroom ne veut pas s'ouvrir. On est puni, c'est fini. Non, je pense que là, on Attends, l'a bien épuisé. Et comme je vais je vais pas te l'ouvrir. dire redémarre l'ordinateur, ça Ah m'embêterait non, beaucoup plus qu'autre chose. mais je vais l'ouvrir depuis ailleurs. Hein. Impossible d'ouvrir. Comment ça se fait? Pourquoi il ne veut pas que j'ouvre? Utiliser. Alors par contre, ouais, ça c'est justement une petite anecdote là-dessus, c'est que quand on fait des images aussi grandes, aussi lourdes, aussi remplies de résolution, il y a des fois il faut vraiment se casser la tête et puis essayer vraiment de trouver des solutions pour que ça tourne toujours bien. Et des fois, j'étais presque désespéré sur certains projets à me dire, mais elle a quoi cette machine? D'ailleurs, il y a... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça traîne autant? Ouais, voilà. Et puis on se dit, mais j'attends, j'ai une bête de course, j'ai une carte graphique qui déboîte, et puis ça ne tourne plus. Puis en fait, tu te rends compte qu'en fait, ça fait 5 heures que tu es sur Photoshop, qu'il a emmagasiné tellement de fichiers tempo, tu ne peux plus rien faire. Puis là, C'est ben ça... C... d'où l'intérêt de purger la mémoire de temps en temps. Ouais, c'est ça. Et puis plein de petites astuces... Avec les images, par exemple, si j'ai des petits détails, je les importe en 8 bits et je ne vais pas les mettre en 16 bits, par exemple. Ouais, forcément, une fois que tu t'as calibré ton image en termes de couleur, tu t'embêtes plus avec ce genre de truc, sauf si tu es dans du dégradé hyper léger spécifique. Alors, pas de PSB aujourd'hui. Non, Je bah, je sais sens pas ce qu'il y a. qu'on va regarder peut-être juste les. Tu sais, tu m'avais dit que tu avais préparé des vignettes, des quelques étapes et des éléments de collage ou des choses comme ça. Peut-être qu'on peut. Du dessin de départ et des props que tu as utilisés en photo. Parce que s'ils s'ouvrent pas, c'est pas. Tu vois, on va pas forcer le destin. Ouais, mais par contre, mon Lightroom ne s'ouvre plus non plus. Ça veut dire que c'est bientôt la fin de la session. Ouais, ça me fait chier. T'inquiète, tout va bien. Tout va bien, ça te donnera l'occasion justement, bah, un, de repasser, de poursuivre ça. Du coup, j'ai quelques Ah, questions. Il y a Niki qui me attends, dit, est-ce que ça désolé. t'arrive de recycler des calques pour d'autres compos? Non, j'essaie vraiment dans chaque projet garder chaque prise de vue et chaque élément de chaque projet. J'aime pas trop prendre par exemple une fumée de cheminée dans un projet et puis l'envoyer dans un autre. J'aime bien me dire bah voilà dans ce projet-là je vais faire la fumée en photo pour ce projet-là. Pour ce bâtiment-là, etc. Alors, par contre, j'ai des archives que je dédie vraiment que pour Les montages, les l'appareil montages, photo. et je me dis, bon, c'est des photos pas du tout composées. Et du coup, ah, c'est bon, il s'ouvre. Et du coup, c'est un peu pour tous mes montages, quoi. C'est des photos basiques. Là, je pense que c'est bon. Il y a eu un petit souci, je sais pas pourquoi. Ouais, bah du coup, je pense que jouer avec toutes ces images et tout ça, ça lui a fait un petit peu peur. Puis on a dû surtout remplir à fond la mémoire, qui est un moment où il Oui. faut qu'il fasse du nettoyage. Oui. Bon, j'ai 128 gigas de RAM. Normalement, ça devrait tourner à peu près bon. Y a Mais... des Alors, jours comme ça. on va essayer de l'envoyer. Il y a Crico qui me dit d'ailleurs, vous devriez jeter un œil au travail de Grégory Crutzen, qui y met un style de fou dans ses photos et un univers différent de Bruno, mais avec beaucoup de points communs. Et Grégory Crutzen, de ce que j'ai vu en cherchant rapidement, c'est des photos de villes américaines. Et à Ah ouais. chaque fois, il y a vraiment des ambiances, des atmosphères, un peu comme tu avais tout à l'heure, ton brouillard qui repartait de la lune et tout. Il y a pas mal de trucs comme ça, c'est assez intéressant. Ouais. Alors, il le charge ou pas? La grande question, est-ce qu'il charge ou est-ce qu'il charge pas? Je Il est vais chez mettre en Tonton, il est espace chez de travail léger. Gagossian, et il est sur Instagram aussi, ça va être plus simple, le Grégory Crutzen. J'espère juste qu'il n'est pas abîmé parce qu'il m'a marqué qu'il était abîmé le fichier. Le fichier de cette nuit, ce serait pas de Ah bol. non, c'est bon. Ouais, je pense que c'était juste une question de lecture tout à l'heure, Ouais, de peut-être entre remplissage les de deux. calque. Ouais.
Après, bah, je peux juste montrer un peu le travail que ça représentait un peu, parce que j'ai quand même pas mal bossé là-dessus toute la semaine. Là, j'ai créé le dessus de la tête Du crâne, en ça lui fait plâtre. un gros crâne quand même. Ouais, j'ai voulu qu'il soit à peine plus large pour pouvoir mettre justement au-dessus de la tête en polystyrène et puis pouvoir après travailler les circuits, pouvoir les coller et puis que ça fonctionne, qu'il y ait un petit air. Après, voilà, j'ai retravaillé la grandeur sur Photoshop. Ah, puis, il veut pas. On va essayer de trouver une J'espère juste que ça va. que ça a pas que l'image a bien réussi à s'enregistrer hier. Normalement, oui, parce que je sais pas, il y a peut-être un conflit avec. Une Comme il y image, a beaucoup de trucs d'ouvert, hein, je sais pas. c'est ça. Elle est pas, c'est pas la plus lourde que j'ai faite. Hein. Un petit redémarrage de frais après ne lui fera pas de mal. Ouais, je pense Je vais pas te aussi. proposer le petit redémarrage en direct. Non, non, Ça, non. on va être. Ça va être juste. Hein. Ouais. Non, bah écoute, non, mais t'inquiète, là pour Après. l'instant on profite des éléments et on regardera. Et je pense avec. Tu m'avais dit que t'avais fait est-ce Oui. que t'as fait un timelapse, enfin pas un timelapse, mais quelques vidéos de tes montages comme tu fais au fur et à mesure ou pas pour celle-là? Non, pas pour celle-là. Alors Yves nous dit juste une question technique, est-ce que les fichiers sont sur du SSD? Oui, tu m'as dit que t'étais sur des NVMe pour les. Ouais, c'est des. Alors, je travaille avec des NVMe, donc j'ai un disque dur de travail et un disque dur de stock, un simple disque dur mécanique. Donc, dès que j'ai un projet, je le commence dans ce disque dur NVMe, qui est vraiment rapide. Donc, j'ai pas énormément de soucis jusqu'à 10 gigas. Après 10 gigas, ça devient compliqué. On commence à être sur des grosses images et Ouais. on. Mais là, ce qui me fait souci, c'est qu'il me dit qu'elle est abîmée. Donc, On va voir ce qu'il j'espère est pas. capable de reprendre. Ouais, je vais tout redémarrer quand ce sera fini. On verra bien. Parce que là, il me dit fichier semble endommagé. Je sais pas. Enfin, On voilà, va là. profiter de l'image alors. Ouais. C'est dommage, vraiment. Ben, la lampe, par exemple, j'ai fait plusieurs prises de vue. Plusieurs passes en mode exposition. Ouais. Plusieurs différentes que j'ai empilées aussi Un petit peu comme tu avais fait sur la lune. ouais, Alors pour cette qu'on fois-ci, pas pour puisse. la netteté, mais pour la lumière. Non. Pour la lumière, pour qu'on puisse voir un petit peu l'intérieur. Je trouvais que c'était plus esthétique de voir l'intérieur de l'ampoule et puis qu'il y ait ce petit comment Un ce petit petit défaut de halo. lumière autour qu'on voit quand on prend photo de lumière Les petites avec aberrations le chromatiques. Et voilà. surtout, un truc, je pense plutôt pour des gens qui ont pas forcément bien pratiqué la photo jusqu'ici, mais notre œil est quand même un outil assez exceptionnel. Et si on regarde cette lampe, notre œil va faire le focus et nous permettre de voir ce que tu mets sur l'image. Par contre, si tu prends une photo comme ça, pour avoir autant de lumière à la fois sur le visage, à la fois sur la fenêtre, à la fois sur la lampe, il n'y a aucune chance que tu aies ça en une seule image, quoi. Non. C'est la dynamique de l'image. C'est pour ça que je trouve magique un peu maintenant le numérique avec la post-production. C'est justement qu'on a une dynamique infinie en finale, quoi. On peut vraiment voir. Mais j'essaie de rester dans le réalisme quand même, le plus possible, parce que là il n'est pas tellement exposé le visage, mais justement parce qu'il est à contre-jour. Pareil pour les circuits, j'essaie que tout fonctionne en fait. Mais toujours avec une petite exagération de la réalité, c'est ça. C'est ça qui est cool. Écoute, elle est très très bien cette image. Merci. Elle est très cool. Bah écoute, 15h30, je pense qu'on va rendre tranquillement et doucement l'antenne. Tout doucement. Merci beaucoup à toi, parce que Ben, tu nous as merci. partagé pas mal d'étapes,
pas mal d'éléments, des trucs, des astuces, puis tout le process en fait. Ce truc où on se dit ouais, c'est une image, et quand tu regardes, c'est non seulement c'est une image, mais c'est des heures et des heures de travail, des recherches, des croquis, des déplacements, éviter les orages. Ça dépend si on fait une photo d'orage ou pas. C'est ça, hein. Là pour le coup, tu t'es mis à l'intérieur, c'est moins risqué. Ouais, l'arrière-plan, en fait, l'arrière-plan, je l'ai pris chez ma soeur, comme ça. Le modèle, c'est vrai que je n'ai pas montré après le modèle, ben, je l'ai pris. Elle est où la photo de base? Là. Je l'ai pris là, comme ça. Avec les touffes de cheveux qui vont avec pour incruster pour que ça Pour soit incruster sur le ouais, au plus réel le circuit évidemment avec la lumière qu'il faut toujours pareil et l'autre avec La version directement avec le câble, avec les bouts de reflets ouais dessus. ouais exactement et les tourées. Bon, c'est basique comme ça. Après, ben, j'ai rajouté, comme on peut le voir, un peu des cheveux par Une touffe de là. cheveux. Ici, j'ai voulu un peu simuler, la découpe. Ça a un peu enlevé les cheveux. Voilà. Et puis toujours avec un peu. J'aime bien saturer un peu les couleurs pour que le spectateur se plonge dedans. Ou c'est que tu as, avec cette dominante bleue et jaune, que j'aime beaucoup, une légère touche de vert, je ne sais pas si on arrive à voir sur les écrans, mais encore une fois, c'est une image qui fait 10 666 pixels par 8000, Ouais, on a en de quoi faire un mètre, impression, 1,30 m ouais, facile. en 300 dpi, ouais. J'espère juste qu'elle n'est pas foutue. Je te le souhaite aussi. Ça m'inquiète un peu. Ouais, bah écoute, Delphine, Camille, Tikenio, Jamila, tout le monde nous dit c'était très sympa, bravo pour la session. On voit que tu es passionné par tout le processus de création. Merci. Ouais. Très chouette ces sessions, et n'oubliez pas de mettre des pouces. Merci Delphine, c'est pas moi qui le demande, hein, c'est Delphine. C'est pour ça qu'il y a des calques, tout est fait en maquette, donc moins de choses à reconstruire sur Photoshop. Oui, c'est pour ça. Exactement. C'était ça l'idée de cette version. Et Delphine nous dit la lumière jaune est très scandinave. Beau travail de précision suisse, nous dit Thierry. Merci. Eh ben écoute, merci à toi, merci à tous ceux qui Merci à ont tout le été monde. Ouais, merci avec à nous toi. pendant la session. C'était bien cool de pouvoir échanger avec Bruno aujourd'hui. C'était bien cool de pouvoir répondre à vos questions. Donc comme vous le savez, on est sur la semaine de la rentrée. On a eu donc plusieurs journées. Louisa Lafitte, Julien Rico, Mike Stefanini, Atto Mike, Kyle hier, aujourd'hui à l'instant Bruno Beret sur la photo surréaliste. Et demain, ben, on terminera en tête-à-tête sur Character Animator. Et sur Character Animator, on verra comment utiliser le créateur de marionnettes, le Puppet Maker. Donc ça, c'est demain. Donc c'est toujours disponible sur les directs. Moi, ça me fait plaisir de vous voir pendant les directs et de récupérer vos questions et de pouvoir les transmettre aux artistes qu'on reçoit. Mais c'est disponible en différé aussi pour ceux qui n'auraient pas réussi à se joindre à nous. Voilà, ben, merci encore à toi, Bruno. Merci à tous Merci à toi d'avoir été aussi. avec nous et on se retrouve demain à 14h. Bye bye! Tout.